Kaiser von Karstein. Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la série Ruse et Stratégie Infinie épisode 9 sur le jeu Total War Warhammer en compagnie de mon adversaire. Bonjour à toi. Et présente ta faction et ta composition d'armée. Salut, moi c'est Lepidus et je suis donc, je joue les elfes sylvains avec Orion, le roi Orion. Alors en tout j'ai 3 unités de danseuses de guerre à lance. 2 unités de garde sylvain à pointe de lumière stellaire. Ensuite, j'ai des éclairs profonds, j'en ai 4, un régiment de 4 régiments. J'ai des dryades placées sur le côté. Je vais nous passer d'ailleurs. Et j'ai enfin des guerriers faucons pour les attaques sur le côté. Eh ben, ça fait une belle armée. J'ai vu que t'as venu Orion. Bon, j'ai oublié de préciser que j'aurais dû te le préciser, mais c'est pas grave, tant pis, on fera avec. Fallait pas mettre de héros légendaires, enfin, héros nommés si tu préfères, mais c'est pas grave. On fera avec. Je l'avais oublié de le dire, c'est pas grave. Donc alors, c'est une belle armée hein, quand on voit l'unité. Les gardes sylvains qui ont vraiment la classe. Les danseurs aussi. Les gardes éternels qui sont excellents. Et sur le côté, les fameux guerriers faucons, j'en vois un régiment, je sais pas s'il y en a d'autres. Ah, il y en a qu'un seul régiment, j'ai plus de thunes. Qui sont plutôt sympas, ouais. Clairement, avec les aigles qui volent dessus. Enfin, les elfes qui volent sur des aigles, c'est vraiment classe. Alors moi, de mon côté, bah, je voulais rester dans du domaine un peu tank. Les nains. Oui. Alors, ma première ligne, j'ai mis 3 unités d'arquebusiers pour essayer de faire un maximum de dégâts à distance. Derrière eux, j'ai mis 4 unités de guerriers nains, dont 2 unités standards et 2 unités avec une hache à deux mains. Sur mes flancs, j'ai mis unité de longue barre pour faire un maximum de dégâts, avec derrière eux des marteliers également. Donc, un ici à droite et là à gauche. Enfin, sur la colline, j'ai mis mon dispositif, donc mon seigneur de guerre et mon maître ingénieur pour aider un petit peu à soutenir tout ce petit monde. Et un canon orgue accompagné d'un grand canon. Donc voilà, sur le papier, les forces sont assez équilibrées, donc c'est du 50-50. L'Epidus a plus d'hommes que moi, il doit en avoir une soixantaine de plus, mais bon, ça veut rien dire, je pense. Donc, à moi de lancer, là, et après je te dis, il y a le problème, ça va être le roi Orion, parce que vu le 5 AP vexé, donc on verra ce que ça donne. Donc on appuie sur play, on y va. Alors, première chose, on va faire ça. Alors, moi, essayer de te prendre sur le côté. Ouais, parce que moi quand je vois deux petits trucs qui me dérangent, mais on va voir ce que ça donne. Alors que tu es en train d'envoyer, je vois tes premières lignes de garde éternelle. C'est pas que les gardes éternels que j'envoie hein. Attends, t'envoies quoi? Les gardes éternels, les gardes Asra et des archers, j'ai cru comprendre. Ah non mais moi j'envoie tout le monde hein. Ah bah oui, t'es comme ça toi. Mais je me complique pas la vie. Attends, mais... Il voit aller au cac. Bon du coup, alors, mon gars il a combien de portée? Oh, il a une bonne portée. Feu en déplacement, très bien. Alors on va essayer de faire ça. J'ai tenté un truc hein, donc te moque pas s'il te plaît. Bah je vais pas me moquer, pourquoi je me moquerai? Ah, je vois ce que tu es en train de préparer. En sérieux, tu me tires encore dessus toi? Ah je suis un nain, je joue nain. Je joue au lafond. N'empêche que ça aurait été plus drôle si tu jouais en vampire. Ah mais tu m'as encore bougé les gars. Un gars, mon dieu, le pauvre. Oui, bah t'en as déjà bousillé 5 en tout, hein. Et regarde ce que je te prépare pour tes aigles. Ah merde, dégage. C'est possible ça? Ouais. J'essaie de faire un max de dégâts, hein, mais bon, c'est pas gagné. Du coup, là, j'ai... On a fait aucun de dégâts. Ouais, si, un peu, mais bon. Tu m'as enlevé... Attends, je vais te dire combien... Par contre, tu perds du commandement. Ah, c'est vrai. Ouh, ton régiment il est en train de déguster. Alors moi je suis en train d'essayer de pilonner tes guerriers faucons dans mon dos parce que ça me plaît pas. Tout simplement. Du coup, moi je vais... Hop. Et je vais réserver une petite surprise pour... Alors où est-ce qu'il est? Ah oui bah... Oh. On va tenter ça. Oh, monsieur Marose de flèche. Monsieur est vilain. Ah bah salaud, on l'est pas hein. Et je suis en elfuseau, c'est bon. Allez, on y va, on redépose les troupes. En avant-marche. Attends, tu parles du parti? Bah regarde. Ouais, cette blague était très très foireuse. Allez messieurs, en avant-marche. Oula, par contre mes arquebusiers ils ont pris extrêmement cher. Et des guerriers faucons, eux, ils commencent aussi à déguster. Ouais, je sais. Ah là c'est une mêlée générale. Bon bah puisque mes guerriers faucons n'y arrivent pas. Moitié au...
Et je vais vite envoyer mon chef de guerre en mêlée pour assister mes troupes. Très seigneur, c'est T'as pathétique. tout ça d'archer, pouah. Ah Oui, tu c'est... crois quoi? Je suis un elfe ou je suis pas un elfe? Ah bah là ça va être compliqué, je le sens. Par contre là tes guerriers faucons, c'est bonjour, au revoir, hein. Oui, non mais je sais, je les ai envoyés au casse-pied pour essayer de contenir tes arquebusiers pour éviter qu'ils fassent des dégâts à moi. Ouais, bah ils sont pas prêts de revenir, j'ai l'impression. Mais je sais. Du coup, alors, nain, défendez votre pays. Allez. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de booster mes tireurs aussi, parce que j'ai un petit boost, hein, mais je dirais pas lequel. Par contre, là, mes nains sur le feu, ils sont complètement explosés, mais bon, en même temps, avec tous les archers qu'il y a, je peux pas faire grand-chose. Allez, hop, on commence le nettoyage, histoire de calmer tout ce petit monde. Et allez, la magie elfe, c'est parti. Tu crois quoi? Allez. Par contre, les elfes, chez toi, ça veut pas craquer. Non, alors que c'est violent l'affrontement des deux côtés. Ouais. Là, Moi, je dis j'essaie de... Il y a une belle bataille qui est en place. Ouais, et là je vois que les gars, il faut qu'on y revienne embêter le monde. Ah bah, hé hey. On voit maintenant pourquoi je te disais que c'est avec les elfes que j'ai ma première bataille que j'ai gagnée. Ah bah oui, quand on joue faction forte, hein. Et moi je réserve une petite surprise à tes hommes. Moi j'ai une petite surprise à tes guerriers qui me foncent dessus. Allez les gars, on fonce sur le général ennemi. Sauf vous trois qui foncent sur ça. Putain, ils sont... T'as des tireurs que t'as 6 tireurs, c'est horrible. Ah oui. T'es un elfe ou tu l'es pas, hein. Par contre, j'ai l'impression qu'Orion, là, tu vas prendre cher avec. Ouais, je suis très très cher avec lui. J'ai pris assez cher, hein. Mais en même temps, je suis en train d'affronter ton seigneur légendaire aussi. C'est pas un seigneur légendaire, c'est un seigneur de base, hein. Ah oui, un seigneur de base, ouais. C'est ce que je te disais, je suis. C'est la première fois que je teste ce type de compo. Ouais, bah ça fait mal. Et je ne peux rien faire face à cette puissance de tir. Je ne peux absolument rien faire. Mais bon, heureusement que les elfes, à un moment, ça tombe à court de munitions. Ah non, mais là, t'inquiète pas, j'en ai encore plein, hein. Oh, je regarde ta barre, c'est pas sûr, hein. Ouais, et mon seigneur qui se barre, évidemment. Non, c'est pas drôle. Bah oui, et allez, hop. Très bien, ça maintenant on fonce sur ça. Toi, tu fonces sur ça. La prochaine fois, j'aurais dû interdire le seigneur des jourdaires dès le début. J'ai oublié de le dire et ça m'a... Pénalisé, ouais. Ouais. C'est pas cool, ça, mais c'est pas grave. J'aurai ma revanche. Ah, un jour, peut-être. Ah, la lance. Ouais, la lance, comme tu dis. Ah, mon seigneur est revenu, excellent. Il est revenu, ton seigneur? Eh ouais, et dans ton dos en plus. Bah très bien, j'envoie ça. Par contre, n'oublie pas, fais attention à Orion, hein. Mais je fais attention à Orion, t'inquiète pas. Ça se voit. Oui, non, mais je fais pas du tout attention en fait à Orion, moi. Allez hop, on y va. Et le pauvre Orion qui se casse devant un nain, mais quelle honte. Non mais c'est juste qu'en fait je me cassais pas devant un nain, j'essayais juste de bien me mettre. Ouh, là j'ai pris, t'as pris cher, hein. Ouais, je sais. Ouais. C'est pas encore joué encore, hein. Eh, c'est pas encore joué, hein. J'ai encore deux de mes héros, là ils sont en train de tenir bon. Oui, Orion est tombé. Ouais, là, non. Ah ça, ça va changer peut-être la donne. Si ces tireurs arrêtent de me harceler. Attends,
redéploie mes tireurs et tu verras ce que ça fait, ça va changer. Ouais. Donc t'en as certains qui ont plus de munitions bientôt? Non, ouais, j'en ai encore plein. Oui, ça se voit. J'ai fait le choix de prendre plein de tireurs. Ouais. Et ça c'est cool. Par contre là tes hommes ils sont vulnérables en mêlée je trouve. Allez. Je me mets une petite capacité. On verra ce que ça donne. Ah ouais, non je suis en train de perdre effectivement. Bah ton général déjà qui craque. Non mais c'est quoi, c'est y'a rien qui tienne. Ah bah ils sont opiniâtres les nains tu sais. Et surtout que, heureusement j'ai bien fait de récupérer quelque chose qui va peut-être me sauver. Ouais, t'as pris un gros coup moral j'ai l'impression avec la mort d'Orion. Ouais, tu perds moins 20, moins 10, t'as moins 20 sur, par exemple je vois tes danseurs de guerre avec les lances astrales tu vois. T'as un gros, une grosse pénalité de moral entre, t'as perdu moins 40 d'un coup alors que t'avais 70 de base. Alors que moi pendant ce temps je vais essayer de faire ça. Ah, il revient au combat. Et on va tenter un petit coup sur ça. Donc je vais aller aider mon gars. Ou alors est-ce que je tente un truc? Allez, le seigneur nain n'abandonne pas. Chargez, wow. Et la pointe, ton seigneur nain. Ah ouais. Ouais, mais ils sont de retour, c'est con. Ouais. Ogre, ça fait tellement mal. Ah bah oui, c'est à ton avis à quoi c'est prévu. Par contre, je pense que ça va être perdu pour moi parce que t'as tellement d'hommes encore, je pourrais rien faire. Ah c'est pas dit parce que tes hommes là, tes soldats, ils ont, enfin tes guerriers là, ils ont encore beaucoup de vigueur. Ah non. Ah non, pas mon gars apparemment. Et ton guerrier non là, il est en train de flancher. Ouais. Et voilà. Par contre, ton maître ingénieur, lui, il tient. Ah bah il tiendra. Bon bah je me suis défendu comme j'ai pu hein. C'est une belle bataille hein. Ouais, surtout que j'ai réussi à tuer Orion, ça voulait rien dire mais bon. Ouais, c'est des. Tuer Orion c'est déjà pas mal hein. Ouais. Mais là, je sens que c'est pas dit, ton dernier nain il tient là. Bon c'est mon maître des runes mais bon tu mets tellement d'adversaires sur la figure que je pense que ça va être compliqué pour lui. Ah, il fait des dégâts de zone aussi donc Ouais. Donc ça là-bas ça reviendra plus. Il te reste combien d'unités? 4, 5. Ouais. Lui il est de retour ce con. Et ouais. Et je vois que tu t'as un elfe, tu joues à distance. Ah oui ouais. Je suis un elfe. Bon bah je crois que c'est paumé pour moi parce que vu que je suis un peu tout seul maintenant. Bah ouais, non je peux rien faire. Bah t'as gagné cette première manche mais bon. Voilà. T'avais Orion, ça a changé la donne mais bon. Je vais pas faire mauvais joueur parce que ta vérité ta victoire donc ouais Orion était terrible, t'avais beaucoup d'archers donc c'était assez chaud à gérer. Au corps à corps mes guerriers ils ont rien fait quasiment, c'était mes canons et tout, bon. Pas grave. Beaucoup de tes hommes je les ai tués à distance en fait. C'était canon, ouais, c'était canon qui ont fait beaucoup. Et nous nous retrouvons pour le second round de l'épisode 9, Ruse des stratégies infinies, en compagnie de Lipidus. Je t'en prie, présente ta faction et ta composition d'armée. Ben, comme pour le premier round, je garde toujours les elfes sylvains parce que je suis très bon avec ça. Donc en tout j'ai deux unités de garde éternelle à bouclier, ensuite deux unités de danseuses de guerre et deux unités de danseuses de guerre à lance Asraï. Voilà. Ouh. Ensuite j'ai guidé garde sylvain à flèche enflammée, enfin point de lumière stellaire. Sur ça j'en ai deux. J'ai trois unités d'éclairs des profondeurs de la forêt et unité des éclairs de la profondeur de la forêt à poison vif. Et ensuite pour finir, enfin j'ai des chevaliers sylvains à poison à flèche empoisonnée. Une enchanteresse des bêtes et enfin un seigneur sylvain lambda. Eh bah ça fait du monde tout ça. Bon. On voit que les elfes sont toujours très forts hein, de toute façon donc on va voir ce que ça donne. Hein. Moi de mon côté j'ai pris l'autre faction elfe là avec les arbres. Donc alors j'ai pris, alors pour commencer j'ai pris une ligne de 4 tireurs avec 4 éclaireurs des bois profonds dont 2 à point de frisson vif qui peuvent être très intéressants. J'ai aussi pris 2 gardes sylvains à flèche empoisonnée. Derrière eux j'ai 4 unités de danseurs de guerre qui peuvent servir en mêlée. Enfin, mon général est un ancien homarbre accompagné d'un enchanteur de l'ombre sur un aigle. Donc histoire de. Que je ne vois que dalle. Ah.
Enfin, par tes 4 unités de danseuse de Eh guerre, bah, ton tu verras bien. après. Donc, je t'ai dit les trucs. Donc, sur le papier, t'as encore un peu l'avantage du nombre. T'as 200 hommes quasiment plus que moi. Mais bon, après, on va voir ce Mais que sur ça le rapport donne. des forces, je vois que tu es plus fort que moi sur le rapport des forces. Moi, ils me disent que c'est équilibré après. Donc, je te propose de Non. lancer la bataille. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Comme d'hab, cette armée va aller au cap, enfin cette unité va aller au casse-pipe. Ouais. Eh bah voilà, donc moi je déplace tranquillement mon armée, tout en surveillant ce qui peut arriver dans le dos. Oh bah y'a rien qui arrive dans le dos. Non. Oh. Mais si je fais toujours ça, ça marche jamais. C'est sûr. Ah, c'est bon, je commence à voir un peu. Ah oui, j'avais raison, t'as bien pris un ancien homme arbre. Waouh, il est classe. Ouais, et il a envie de faire. Il a envie de se battre lui, hein. Bah moi mes hommes aussi ils ont envie de se battre, tu vois. Donc alors première chose. Sérieux, tu me tires déjà dessus, connard? Bah oui, je fais comme toi. J'apprends Arrête de de. piller les trucs des autres! J'apprends vite, tu sais. Arrête de piquer, ok? C'est mon boulot de tirer sur les gens de loin. Ouais, feu. Putain, plus toi t'as des flèches enflammées là, tout ça. Oh là là! Ouais, Y'a des pics plus et lourds! regarde le petit cadeau que je t'ai envoyé. Je sais. Oui, j'ai vu mon petit cadeau sur mes danseuses de guerre! Ouais, et Après moi elles je vais font. vite riposter parce qu'avec ce qui arrive, ça va pas être joli. Alors entre dans ces astrales, ça va se taper sec. Et déjà t'as une unité en déroute, quasiment. Ouais, pour moi, ouais. Ah bah non, pas quasiment en déroute, elle l'est en déroute. Alors, et derrière, je vais tenter un autre truc, c'est ça là. Faut que je gagne de la puissance magique. Moi pareil. J'ai jamais su gérer mes unités corps à corps, hein. Oh, j'ai testé un nouveau sort, ça a l'air d'avoir fait mal. Donc, hop, on tente ça. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Oh, ça aussi, oui. Au corps à corps, j'ai l'impression d'avoir le dessus ou pas. Ensuite, là, je vois que Tu l'auras voulu, j'ai pas le choix maintenant. t'es. On va tenter ça aussi. Et. Tu l'auras voulu, hein, c'est toi qui l'as cherché. Ouais. Et toi aussi, tu m'as cherché un peu. Que commencer? Oh putain, j'ai même pas vu que j'étais en train de tirer sur personne. Oh, un dragon. Fais un manticore, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai, tu peux les faire popper, j'avais oublié. Et sinon, elle fait quoi ton... Ouais, non. J'ai rien dit, en vrai. Ils sont vraiment résistants, les tiens, c'est incroyable. Ah bah, j'aurais fourni un peu de ma rigueur, tu Ah, vois. je me disais bien qu'il y a un problème en mêlée. Il y a une idée qui s'est complètement là barrée. Oui, bah c'est pour ça que je te dis, j'étais en train de te dire ça, et je me Par suis dit, contre, ouais. ta manticore est en train de se désagréger, je sais pas si t'as remarqué. Oui, je sais. Et elle a pour but, en fait, d'occuper tes hommes. Ouais, bah. Mes hommes, hein. En tout cas, tu fais quoi avec ton unité là-haut? Eh bah, regarde. Tu verras bientôt. C'est quoi la conne? Eh, je t'ai pas demandé d'aller en mêlée, moi! Fais gaffe! Allez hop. Maintenant, il faut aller s'occuper de ça là-bas parce que ça va être chiant sinon. Bon, sinon toi t'arrives? Ah voilà. Ouh, c'est compliqué quand même cette bataille. Ouf. Alors toi. Elf contre elf, ça, c'est sûr que ça fait mal. Les deux côtés, ouais. Même si t'as l'avantage du nombre encore avec tous tes tireurs. Je joue sur les tireurs, tu vois, moi. Ouais. Je suis bon qu'à ça. Jamais Ah bon quoi. bah, faudra changer de tactique des fois. Jamais. Allez, on va tenter ça là. Ça peut aider. Dégage, 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 dégage.
On va essayer de faire un peu de dégâts. Hein. Voilà, je t'avais lancé un petit cadeau de ma part. Hein. Tu m'en diras ouais. Ce que. Par contre, j'aime bien ton enchanteur qui se barre là. Oui, parce qu'elle est pas forte au corps à corps aussi. Ah. Moi, c'est une enchanteresse, hein. C'est pas une combattante. Ma... Là, j'ai des lambeaux de troupes là qui se reconforment progressivement, mais bon, est-ce que ça suffira? Allez, ça suffira. Je ne sais pas. Ah, ça va être compliqué. T'as trop de tireurs à chaque fois. Moi, je peux rien faire donc. Ah, bah faut prendre aussi des tireurs. Hein. Mm. Bon, sinon, j'arrive pas à viser ton homme. Mais arrête de bouger, espèce d'enchanteresse de l'ombre. Allez hop, vas-y ramène-toi Coco, essaie de te montrer un peu ce qu'est le patron. Et allez, je me prends une pute flèche, qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? Allez hop. La victoire est à portée de main pour moi. Ouais bah j'ai encore perdu, bon c'est pas grave. Et voilà. Donc ça fait 2-0, j'admets ma défaite, hein, mais bon. Voilà que je pensais, de toute façon les elfes sylvains ils sont trop forts au tir, il faudra peut-être qu'un jour c'est un Creative Assembly les nerfs un peu, mais bon après je peux comprendre que les elfes soient doux en tir, j'accepte ma défaite. Voilà, bon bah. Bon, toi aussi tu avais des beaucoup d'archers, t'en avais j'en avais moins. Ouais, mais t'avais. Non, t'en avais 7 en tout. Bah tu comptes tes archers sur remontée? Bah oui. Mais bon, après voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, donc pas de regret à avoir. Donc ça sera la fin de cet épisode de Ruse et Stratégie Infinie, donc 2-0, hein, donc il n'y aura pas de troisième manche, donc voilà. Salut à toutes et à tous, c'était Kaiser von Karsten de Planète Total War, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis, au revoir.